Alors salut tout le monde, chers amis, c'est Sanlé, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Portal 2. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur Portal et je m'en excuse les gens parce que voilà, j'ai été pris un petit peu par le temps et surtout par mes projets, par mes travaux parce que je suis en deuxième année de master et c'est un peu compliqué. Et je me suis dit du coup pour changer, peut-être cette semaine, changer de tous les tutos Minecraft qui sont sortis, qui sont devenus un peu trop habituels sur ma chaîne, je vais reprendre un petit peu let's play là où on s'est arrêté. Donc la dernière fois on est tombé dans le gouffre parce que Wheatley est un abruti et du coup il nous a envoyé valser dans le gouffre nous avec GLaDOS, mais GLaDOS a été mise à l'intérieur d'une patate, ce qui est très, c'est très drôle en fait en soi les gens. Quoi, elle a été mise dans une patate, et le truc c'est que la patate a été récupérée par un oiseau tout à l'heure, ce qui fait que voilà, on est tout seul, genre on est complètement tout seul, on va vraiment rien entendre, genre aucune autre voix qui va commenter, enfin j'espère. Du coup, bah on n'a pas le choix, on va devoir progresser, on peut vraiment pas remonter malheureusement les gens, on est tombé vraiment très très loin dans les profondeurs, donc on va être obligé de progresser comme ça. Du coup, je vais me rappeler un petit peu des contrôles parce que ça fait vraiment très longtemps. Ouais, c'est vrai que ça tire vite, ouais. Hop là. J'imagine qu'il faut passer par là. Parce que dès que je vois un mur blanc comme ça, je sais que je peux placer un portail. J'ai toujours trouvé ça intéressant d'un point de vue game design, c'est-à-dire comment ils font les portails, donc dans Portal 2, ou Portal 1 aussi, du coup. J'ai vraiment l'impression... Ça a l'air d'être ça, hein. Quoique... Je sais pas, c'est très bizarre. Bref, je sais pas comment ils programment ça. Mais ça a l'air très intelligent, en fait. Hop là, d'un point de vue game design, puisque je suis développeur de jeux vidéo aussi, donc enfin développeur, concepteur, tout ça. Donc voilà, pour l'instant je travaille seul, c'est pour ça, donc je me suis pas encore spécialisé dans un domaine en particulier, mais ça ne saurait tarder, j'espère. Hop là. Attention, j'ai beaucoup de projets de jeux vidéo, les gens. Il y en a un qui va sortir cet été, c'est Super Night Adventure. Voilà, c'est sur mon personnage. Hop là, alors... Ouais, on va devoir avancer comme ça, hein, malheureusement. C'est dommage qu'il n'y ait pas de touche de sprint dans Portal. Moi, ça veut accélérer un petit peu l'exploration. Keep out. Alors, attendez. Faut que je monte là-dessus. Keep out. Do not enter. D'accord. N'entrez pas. D'accord. Condamné. D'accord. Zone de test condamnée. C'est... Ouais, c'est... Ça fait peur. Est-ce qu'on peut passer... On dirait que... Ouais, ça a l'air d'être complètement condamné. Je peux pas entrer. Du coup, je peux placer un portail ici. Ce qui suggère que je peux en placer là. Voilà, hop. Et on y va. J'en place un ici. Zone de test condamnée, c'est par ici, ouais. Donc ça veut dire que... Ouais, la sortie, ça doit être par là. Hop là. Ouais. Non, ça c'est par où on est passé, mais... J'ai débile, mais... bah j'imagine que c'est là-bas, hein. Là. Donc on est de l'autre côté, c'est bon. Allez, c'est parti. Do not enter, keep out, n'entrez pas. Alors que cache cette zone? Waouh, ça fait peur. Vous imaginez, vous vous retrouvez dans un endroit comme ça dans la vie et vous savez pas où partir, comment faire pour sortir à l'extérieur, ça fait vraiment peur. Là j'ai l'impression d'être dans le biome Deep Dark dans Minecraft. Et hop, on est arrivé. Le levier. Wow. D'accord. Par où je suis censé passer maintenant? On va essayer de gagner un peu de temps, on va monter comme ça. C'est parti. D'accord. D'accord, j'imagine c'est limité dans le temps, la bonne idée. D'accord. Attendez, c'est limité dans le temps, c'est complètement limité dans le temps. Donc je vais faire ça, je vais placer un portail là. Et hop là. Et là, la porte va pouvoir s'ouvrir. Voilà. Que cache ce coffre-fort? Mais pourquoi ça marche encore? Ça doit faire des lustres que cet endroit est éteint comme ça. Tout ça a l'air de fonctionner. Allez, on se rend à l'intérieur. D'accord. Ok, la porte s'ouvre, très bien. Ok, c'est un énorme coffre qui donne sur une toute petite porte. Voilà. Hop là, c'est parti. Temps de chargement. Hop là, alors... danger, ne pas nager, ouais... J'ai bien compris que notre personnage ne savait pas nager. Ça fait plusieurs niveaux
Oula. Wow. Tremblement de terre. D'accord, il y a des trucs qui sont tombés, ok. Aperture, d'accord. Parce que pour rappel, on était dans le laboratoire d'aperture, donc là je sais pas où est-ce qu'on est. Mais ça a l'air effroyable. Je vais pas vous mentir les gens, ça a l'air effroyable. Il y a une porte ici qui a été enfoncée. Ouais, j'imagine que c'est par là. On y passe. Je peux pas ouvrir. Je ne peux pas ouvrir, c'est un problème ça. Levier. Ah ça, ok. Vas-y. Now, you already met one another on the limo ride over, so let me introduce myself. I'm Cave Johnson. Cave Johnson. That eager voice you heard is the lovely Carolyn, my assistant. Rest assured, she has transferred your honorarium to the charitable organization of your choice. D'accord. Yes, sir, Mr. Johnson. She's the backbone of this facility. Pretty as a postcard, too. Sorry, fellas, she's married. Science. Les mariés à la science, d'accord. Donc Cave Johnson et Caroline, d'accord, on a de nouvelles voix, de nouveaux personnages qui se manifestent. C'est parti. Ouais, je doutais bien que c'était par là, parce que j'ai vu le entrée. Wouah, c'est vieux ça. Machine à écrire. C'est vieux! C'est quoi, c'est les années 50? Les années 20? C'est vieux tout ça! Cave Johnson. D'accord, on sait à quoi ressemble Cave Johnson. C'est quoi ça? Esprit de Idaho, la patate nationale, d'accord. De la promotion de science, 1950, on est bien aux années 50, et ça c'est la patate nationale des années 50. C'est dingue, et cette patate est restée intacte depuis les années 50 jusqu'à, bah quoi, aujourd'hui 2023. Enfin après dans le jeu, je sais pas en quelle année on se trouve, mais... C'est fou, c'est vieux cet endroit. Hop là, je me disais bien que ça ressemblait à un truc des années 50, ouais. Allez, c'est parti. Un ascenseur. C'est impressionnant que ça marche encore. C'est-à-dire que toute cette structure marche encore depuis pratiquement un siècle. Bon, une demi-siècle, un demi-siècle en vrai, mais ouais. Hop là, j'arrive tout en haut. Zoom. D'accord. J'imagine que je dois me rendre là-bas. Ah, je peux pas. Je peux par ici. Très bien. Je vais placer un portail bleu et je vais essayer de me projeter de l'autre côté. Ça va être un peu méta, mais on va essayer. On va essayer de se projeter, je pense que c'est la meilleure solution. J'ai cru voir que tout en bas, il y avait un truc blanc. Genre à la base d'ascenseur, voilà, ouais. Bon, bah, souhaitez-moi bonne chance, j'espère que ça marchera. Oula. Ça marche pas. Ouais, d'accord. Il faut avoir l'œil, les gens, pour repérer ce genre d'endroit. Il y a beaucoup de choses à voir en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des serveurs? C'est un truc de pression, d'accord? C'est quoi? Know your allergens. Connaissez votre allergie. D'accord? Allergie au pollen, aux animaux, d'accord? Au plastique et à l'antimatière. Allergie à l'antimatière, eh bien. Très bien. Station de pompe, d'accord? Pompe à eau donc. Du coup, la machine s'est mise à pomper l'eau. Je sais pas trop à quoi ça va servir, mais. Au moins ça ouvre la porte, c'est déjà ça. Et à quoi sert tout ça? Ce bric-à-brac. On va aller sur le tuyau. They say great science is built on the shoulders of giants. D'accord. At Aperture, we do all our science from scratch. No hand-holding. D'accord, ok. Chez Aperture, ça n'a pas été construit par des géants. Allez, on remonte. Tandis que Cave Johnson commente notre aventure. Vous êtes ici. Waouh, il y a beaucoup de sel. All joking aside, that did happen. Broke every bone in his legs. Oula. Tragic, but informative, or so I'm told. La peinture bleue. Qu'est-ce que c'est que cette peinture bleue?
Répulsion gel, gel à répulsion. D'accord. Diététique, pudding, d'accord. It's true, c'est vrai, le gel est... D'accord, est sucré. Et il n'est pas toxique que la fibre de verre. D'accord. D'accord. Et par contre, le gel est rebondissant, de ce que je comprends d'après la traduction. Par contre, ne mettez pas ça dans votre bouche. D'accord, il faut pas manger ça. Mais le gel est rebondissant apparemment, on va tester ça. Ah ouais, c'est un trampoline, d'accord. Donc c'est une nouvelle mécanique de gameplay, les gens. Donc le trampoline. J'imagine que l'idée ici, c'est de ramener un cube avec ce système. Il va falloir que je réussisse. Peut-être que... Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être ça, ça garde la... Ça conserve la force. La loi de la conservation de la masse est respectée. Hop là. Bah du coup on refait le trajet, là j'ai gardé le portail ici. Ok, et là. Et voilà. Faites plus de messages enregistrés, d'accord. Ce Cave Johnson, il est fou. C'est un savant fou. C'est parti, on continue. Pour ce prochain test, nous mettons des nanoparticules dans le gel. Ok. En termes de termes, c'est un billion de petits gizmos qui vont traverser dans votre sang et pumper des gènes expérimentaux et RNA molecules et ainsi de suite dans vos tumeurs. Maintenant, peut-être que vous n'avez pas de tumeurs. Well, don't worry. If you sat on a folding chair in the lobby and weren't wearing lead underpants, we took care of that too. D'accord. Tout ceci est très étrange, les gens. Non, c'est... Hop là. C'est facile, non? C'est-à-dire que je peux... Avec la touche de saut, je peux juste monter. Par contre, je peux pas monter plus haut. Quoi va me servir ce cube alors? Ah, il faut le mettre là-bas. Ok. Hop là. D'accord. Je suis la ligne et ça s'ouvre par ici. Et là. Voilà, c'est très bête. Sur les murs, ah bon? Alors, allons-y. Wow. Oh. Je peux rebondir, ok. Bon bah, on refait le trajet à l'envers. C'est trop marrant, les gens. Wow, wow, wow. Faudrait peut-être pas que le cube... Ouais. Ok, on a ouvert ça et on va pouvoir traverser. Faudrait que je me rende là. Eh! S'il te plaît. Voilà, merci. Et voilà. Oh, in case you got covered in that repulsion gel, here's some advice the lab boys gave me. D'accord. Do not get covered in the repulsion gel. We haven't entirely nailed down what element it is yet, but I'll tell you this, it's a lively one. And it does not like the human skeleton. Ah, ça n'aime pas le squelette humain. Ce gel répulsif est dangereux, hein. Même si, quoique un peu amusant. D'accord, des sphères d'amiante. Good news is the lab boys say the symptoms of asbestos poisoning show a median latency of 44.6 years. So if you're 30 or older, you're laughing. Worst case scenario, you miss out on a few rounds of Canasta. Plus, you forwarded the cause of science by 3 centuries. I punch those numbers into my calculator, it makes a happy face. D'accord. Pensez que je peux rejoindre cet endroit là-haut. Ah, on dirait qu'il y avait un mur blanc par ici, ouais. Eh ben, il était loin ce mur. Il était bien loin ce mur, hein. C'était... Ah, fallait vraiment le voir celui-là. À partir d'ici, je devrais pouvoir me rendre quelque part. Ouais, là. Bon, je vais plutôt le caler près du mur. Voilà. Et on y est. D'accord. Est-ce que je meurs s'il me tombe dessus? Non, je deviens juste bleu, d'accord. Par contre, le fait que... Ouais, ça a l'air d'être ça, je peux transporter le gel. D'accord, on va garder le portail bleu ici. Mettre un portail orange là. Vas-y. D'accord,
D'accord, je vais remettre là maintenant. Et voilà. Par contre, je peux pas. D'accord, par là, je peux pas. Hop là, je vais mettre là. D'accord, et à partir de là, je vais pouvoir passer. Hop là. Oula. Je me suis mangé le gel. Là, ça reset mon portal gun. Je vais pouvoir faire ça. Hop là, envoie. D'accord, ok, on va faire ça. Hop là. Mais là, il me faut. Ouais, voilà, il faut. Attendez. Faire ça. Ok. Là, il faut faire ça. Oula, oula, oula. C'est spécial ça. Ouah. D'accord. Elle est trop bizarre ce mec, Cave Johnson. Bon, on y est. 27. Bon, bah, du coup, les gens, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir regardé, comme toujours. Et comme d'habitude, moi, je vous dis ciao tout le monde et passez un très bon week-end. Voilà, ça a été un épisode un petit peu plus court que d'habitude. Sincèrement, j'espère que vous aimez le Let's Play sur Portal. Hein, comme d'habitude, voilà. Si c'est le cas, vraiment, n'hésitez vraiment pas à like la vidéo parce que ça aide beaucoup au référencement et ça aide à agrandir la communauté, ce qui va nous permettre d'être un peu plus nombreux et du coup, peut-être me permettre de lancer d'autres projet sur la chaîne. Donc voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et ciao tout le monde.